ik ben Israël Blauwe, medisch entomoloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In deze video toon ik je hoe je eitjes van steekmuggen kan onderscheiden van die van gelijkaardige vliegen en hoe je die eitjes kan identificeren tot op genisch niveau. Er komen momenteel in België 5 verschillende muggengenera voor: Culex, Culicita, Aedes, Anopheles en Coccolitidia. In het kader van de monitoring voor exotische Aedes-steekmuggen is het vooral belangrijk om de eitjes van het Aedes-genus te herkennen in de eilegvallen. Il existe des caractéristiques utiles pour distinguer les œufs de moustique des œufs de moucheron similaires. L'œuf d'un moustique est toujours allongé avec une longueur d'environ 1 mm, fusiforme, toujours opaque. Les œufs sont pondus individuellement ou en groupe. Les œufs de moucheron similaires sont souvent plus courts, plus ronds ou pliés en forme de U. Ils sont parfois translucides et souvent pendus en une masse gélatineuse. Par exemple, les œufs de la famille des Chironomidae, Chironum, des Chaoboridae, moucherons fantômes, ou des Ceratoporomidae, moucherons piqueurs. Les œufs du genre Anopheles sont déposés individuellement sur la surface de l'eau ou juste au-dessus. Ils possèdent 2 flotteurs latéraux et flottent en formant des dessins géométriques. Une espèce commune en Belgique est Anopheles plumbus. Des gîtes larvaires typiques sont des cavités dans des arbres et des récipients artificiels comme des pneus usés, mais aussi de grandes fosses à lisier, de porcheries à l'abandon. Les œufs du genre Aedes sont déposés individuellement juste au-dessus de la surface de l'eau. Ils ne possèdent pas de flotteurs latéraux. Une espèce exotique d'Aedes bien connue et régulièrement importée en Belgique est le moustique tigre ou Aedes albopictus. Les œufs sont résistants à la dessiccation et au froid. Ils peuvent survivre pendant plusieurs mois. Les gîtes larvaires typiques sont des récipients artificiels comme des pneus, des égouts routiers, des tonneaux à eau de pluie et des seaux. 2 autres espèces exotiques d'Aedes sont Aedes japonicus et Aedes coreicus. Les 2 espèces ont des populations établies en Belgique. Les larves vivent dans les cavités d'arbres ou rocheuses et dans des récipients artificiels comme des pneus, des matériaux de construction métalliques et des vases à fleurs. Les œufs des genres Culex, Culicita et Coccolitidia sont déposés en position verticale, en groupe, dans ce qu'on appelle des radeaux. Ces radeaux flottent à la surface de l'eau. Des moustiques très communs en Belgique sont le moustique commun, ou Culex pipiens, et le grand moustique annelé, ou Culicita annulata. Leurs gîtes larvaires sont très variés et peuvent être naturels ou artificiels, dans des eaux douces ou même fortement polluées. Vous pouvez facilement trouver le moustique commun dans les tonneaux à l'eau de pluie de votre jardin. La seule espèce de Coccolitidia en Belgique est Coccolitidia richardi. Cette espèce est associée aux eaux naturelles, telles que les zones marécageuses. En résumé, les œufs des genres Culex, Culicita et Coccolitidia sont déposés en position verticale, en groupe, dans ce qu'on appelle des radeaux. Ils flottent à la surface de l'eau. Les œufs d'Aedes et d'Anopheles sont pondus individuellement. Les œufs d'Anopheles possèdent des flotteurs latéraux. Ils sont déposés sur la surface de l'eau ou juste au-dessus et flottent en formant des dessins géométriques. Les œufs d'Aedes ne possèdent pas de flotteurs latéraux. Ils sont déposés jusqu'au-dessus de la surface de l'eau.